Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les recettes de Camélia. Aujourd'hui, je prépare avec vous une bonne petite salade de patates douces. C'est une salade qui est chaude, que l'on prépare généralement avec une charmoula. J'espère que vous essayerez la recette et je vous laisse avec les ingrédients. Pour préparer notre petite salade, il va nous falloir de la patate douce. Là, j'ai 4 pièces de patates douces, elles sont de calibre moyen, que j'ai coupées comme ceci en petits dés. J'aurai besoin d'huile d'olive, quelques gousses d'ail, l'ail ça dépend du goût. J'aurai besoin d'une petite cuillère d'harissa, deux grosses cuillères à soupe de persil et coriandre haché, sel, poivre, paprika et cumin. Donc c'est une salade que l'on prépare très très rapidement. Donc dans un faitout, on va mettre de l'huile d'olive, donc deux cuillères à soupe d'huile d'olive, et j'ai râpé en fait mon ail. Vous pouvez éventuellement le presser. Je fais revenir le tout, puis je vais rajouter mes patates douces comme ceci. Je les fais revenir dans l'huile, puis je vais rajouter une petite cuillère à café de sel, une petite cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère et demie de paprika. Je rajoute ma petite cuillère d'harissa et je mélange tous les ingrédients. Je rajoute le persil et la coriandre. Je continue à mélanger et je vais rajouter l'eau jusqu'à ce que ma pomme de terre soit bien couverte d'eau. Je laisse cuire à feu vif et en moins de 10 minutes à peu près, ma pomme de terre est cuite. Je vais enlever le couvercle et laisser réduire. Et voici ma recette de patates douces, donc ma petite salade chaude de patates douces, idéale comme entrée. J'espère vraiment que vous essayerez la recette et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'encourager avec vos likes, vos partages et vos abonnements et cliquez sur la petite clochette pour avoir les nouveautés. À bientôt !